Les peuples battent des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Tous les peuples battent des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. Sur la terre on connaîtra tes voies, parmi toutes les nations ton salut. Oui. Sur la terre, tu gouvernes les nations. Tous les peuples battent des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. La terre a donné son produit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Tous les peuples battent des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles, amen. Tous les peuples battent des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia. Hymne de Saint Irénée, page 17. La loi, les prophètes et les évangiles t'annoncent au Christ. Tu t'es fait chair dans le sein de la Vierge. Tu es né à Bethléem, tu as souffert sur le bois de la croix. Mort, tu es ressuscité des morts. Tu es apparu aux apôtres, tu es monté au ciel. Tu t'es assis à la droite du Père. Oh,
toi, Seigneur, j'ai mon abri, sur moi pas de honte à jamais. En ta justice, affranchis-moi, délivre-moi, tends l'oreille vers moi, hâte-toi. Qu'on m'a tendu, car c'est toi ma force. En tes mains je remets mon esprit, c'est toi qui me rachète, Seigneur. Vu ma misère, connu l'oppression de mon âme. Tu ne m'as point livré à l'ennemi, tu as mis au large mes pas. Se consume en affliction et mes années en soupirs. Ma vigueur succombe à la misère et mes os se rongent. Oh, ce que j'ai oppressé, fais-moi un scandale. Qui me voit dans la rue s'enfuit loin de moi. Comme un mort oublié des cœurs, comme un objet de rebut. J'entends des calomnies des gens, terreur de tous côtés. Ils se groupent à l'envie contre moi, contre l'autant de mauvais Moi, je m'assure en toi, Seigneur, je dis, c'est toi, mon Dieu. Mes temps sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sur ton serviteur, fais luire ta face, sauve-moi par ton amour. Aux enfers qu'il reste muet, silence aux menteurs. Eux qui parlent du juste insolemment, avec superbe et mépris. Un homme, le Père tout-puissant, a sorti Jésus-Christ le Seigneur. Psaume 146. Psaume 30, partie 2. Quelle est grande, Seigneur, ta bonté, tu la réserves pour qui te craint. Tu la dispenses à qui te prend pour abri face au fils d'Adam. Dans le secret de ta face, tu les caches, loin des intrigues des hommes. Mais il
Seigneur qui fit de moi des merveilles d'amour. Et moi je disais en mon trouble, je suis ôté loin de tes yeux. Et pourtant comme supplie, tu m'écoutes, quand je crie vers toi. Le Seigneur rétribue avec usure celui qui fait l'orgueilleux. Prenez cœur, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Rends-moi, au Père et tout puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. Psaume 146. Alléluia, louez le Seigneur, il est bon de chanter. Fêtez notre Dieu, douce est la louange. Le Seigneur qui bâtit Jérusalem rassemble les déportés d'Israël. Lui qui guérit les cœurs brisés, lui qui vend leurs blessures. Qui compte le nombre des étoiles et appelle chacune par son nom. Il est grand notre Maître et tout-puissant, en lui l'intelligence est sans mesure. Le Seigneur soutient les humbles, jusqu'à terre il abaisse les impies. Entendez-moi, Seigneur, l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la barre. Lui qui est dans le ciel et le nuet, qui prépare la pluie à la terre, qui fait germer l'herbe sur les monts et les plantes au service de l'homme, qui dispense au bétail sa pâture, au petit du corbeau qui crie. Ni le vigueur du cheval ne lui avait, ni le charret de l'homme ne lui plaît. Dieu se met en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent son amour. Cantique. Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Le Seigneur a racheté Jacob et l'a délivré de la main d'un plus grand. Ils viendront et verront de joie au mont de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. Vers le
le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de langueur. Rassasirai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Du livre de vie de Jérusalem au chapitre En Église. En méditant le mystère de l'Église, mystère de vie et d'unité de la rencontre de Dieu en l'homme et de l'homme en Dieu, tu trouveras la sève profonde qui conduit tout l'élan monastique depuis ses origines. C'est cette Église maternelle qui saura t'apprendre l'écoute de la parole, la prière intérieure, la passion pour l'unité, la fidélité dans la foi, la constance dans ta mission propre, le service des frères et l'humilité du repentir. Autant de vertus types qui font la vie monastique. C'est par l'Église que tu vivras ta sanctification et ta mission proprement monastique au cœur de la fraternité de Jérusalem. Ta vie monastique est donc une marche à la suite du Christ faite en Église. Par la profession des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, la promesse de conversion des mœurs et de la tendance à la prière continuelle, l'engagement d'écarter tout obstacle susceptible de s'opposer à la charité et à la perfection du culte divin, tu t'engages à pousser jusqu'au bout la commune vocation baptismale à la vie dans l'esprit. Le moine se livre totalement à Dieu, aimé par-dessus tout, pour être ordonné au continuel service du Seigneur et à sa gloire, à titre nouveau et particulier, par une donation totale de soi qui l'unit à l'Église et à son mystère de manière spéciale. À tel point qu'il y a un lien indubitable entre la vie monastique et la vie de l'Église, entre la sainteté monastique et la sainteté ecclésiale. Ton état monastique, dès lors, ne se situe pas entre la condition du clerc et celle du laïc, mais il provient de l'une et de l'autre, comme un don spécial pour toute l'Église. Par cela, tu participes d'une manière particulière, en tant que consacré, à la nature sacramentelle du peuple de Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur déclarait: il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai: je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là, sans le mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Jésus acheva ainsi son discours. Les foules étaient frappées par son enseignement, car il les instruisait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de la vie. Qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Esprit qui habite en nous.
Seigneur notre Dieu, que ta parole vienne prendre chair en nous, que ta volonté soit faite. A donné, Seigneur, à l'évêque Saint-Irénée de faire triompher la vraie doctrine et d'affermir la paix dans l'Église. Par son intercession, réveille notre foi et notre charité pour que nous cherchions en toutes choses ce qui favorise l'union entre les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons.